Ok. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question. Exercice technique pour un pianiste, par où commencer? Je vous propose l'exercice de tenue. L'exercice de tenue est un exercice très important. Cet exercice consiste à appuyer tous les doigts sur le piano. Donc, vous avez tous les doigts appuyés sur le piano, comme ça. Et puis, vous allez commencer à exécuter un doigt seulement. Donc, par exemple, je commence avec le 1. 1 à la main droite et 1 à la main gauche. C'est cela, seulement ça. Et puis, il faut garder la bonne position. Vous voyez? Donc, la forme arrondie sur le piano, c'est comme si on tenait une pomme. Et puis, vous pouvez jouer juste cette note. Pendant, je propose même 3 à 5 minutes. Et puis, vous pouvez changer le deuxième. Les autres doigts restent appuyés sur le clavier. 5 minutes et puis vous pouvez changer un autre doigt. Donc ça c'est l'exercice de tenue. Donc ça permet de créer l'indépendance entre les doigts. Et puis vous allez avoir un bon doigté. Voilà. Une bonne position de main sur le clavier. Comme ça. Et puis voilà. Donc moi je vais un peu rapidement, mais vous pouvez jouer un seul doigt. Pendant plus ou moins 3 ou 5 minutes, comme je viens de le dire. Et puis, vous pouvez changer toujours là les notes tenues. Donc, cette fois-ci, je joue 10 notes à la fois. J'insiste que les autres doigts restent appuyés sur le clavier. Autant de fois. Ouais. Et après, vous êtes là. Vous changez. Ça, c'est des tenues. Je suis là, et puis voilà. Lentement, faut faire lentement. Enfin, pour cette série, je clôture ici. Voilà. Toujours avec Tini. Donc, vous pouvez faire encore ceci. Prenez vraiment plus de temps. Et puis, vous êtes ici. Et puis encore, enfin, pour cette série, je clôture comme ça. Et encore, je propose encore les quatre, mais toujours à tenir. Je suis là, comme ça. Voilà. Ce sont des exercices très importants. Le pianiste. Voilà, comme vous voulez. Enfin, et puis celui-là, pour l'aider ici. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà, je propose encore ça, celui-là, des notes. Voilà, comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez changer comme ça. Les deux notes restent appuyées. Enfin, cela. Donc, les deux doigts s'y restent sur les claviers, leur couleur. Voilà. Voilà, c'était ça pour cette branche, exercice technique pour un pianiste. Par où commencer? N'hésitez pas à aimer, partager et surtout mettre aussi un petit commentaire la suite à